Yo l'équipe, c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Bleach. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner et à lâcher un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on se retrouve pour un glitch pour pouvoir avoir des BMX à la place des voitures. Donc là vous pouvez le voir sur la vidéo que j'ai bien des BMX à l'emplacement des voitures. Donc pour ce glitch, vous allez devoir télécharger l'activité que je vous ai mis dans la description. Vous allez devoir acheter un QG. Donc je vous conseille d'acheter exactement le même QG que moi qui se trouve juste ici. Voilà ce QG-ci. Et voilà, donc vous allez devoir aussi acheter un garage. Donc je vous conseille d'acheter le même garage que moi. Donc c'est le 331 Supply. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, vous allez faire start en ligne, activité, jouer activité, favori, course. Et vous allez devoir lancer la course que je vous ai mis dans la description. Donc malheureusement, ce glitch va que pour PS4 pour le moment. Donc j'ai que l'activité PS4. Donc par la suite, si je trouve des liens pour PC et Xbox One, je vous le mettrai dans la description. Donc une fois que vous êtes dans l'activité, donc dans les classes, vous allez mettre la classe vélo en parcours GTA. Et vous allez lancer l'activité donc en solo, encore une fois. Donc c'est ce qui est encore magnifique pour ce glitch. Donc là, vous allez choisir la couleur du BMX que vous voulez. Donc par exemple, on va prendre la couleur de crew. On continue, on met prêt. Voilà. Donc là, on va spawn sur une plateforme. Donc à la fin du décompte, on va devoir bouger un petit peu avec notre BMX. Juste pour dire de... Voilà, on va juste s'avancer en face de la rampe. Et on va devoir descendre. Donc là, je m'avance un petit peu. Hop là, je descends. Je vais monter sur la plateforme pour pouvoir me rendre dans mon QG. Regardez. Voilà. Là, on aura l'emplacement de fléchette. On fait flèche de droite, croix. Voilà, donc là, logiquement, ça va se lancer. Donc, vous allez attendre. Ça va vous faire bugger. Donc, si c'est comme moi, et ça va vous le lancer. Donc, voilà. Donc, quand vous avez réussi à lancer les fléchettes, vous allez quitter le jeu de fléchettes. Et si ça vous quitte, par exemple, du QG, vous allez devoir relancer l'activité. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez quitté le jeu de fléchettes, vous allez prendre donc une moto de votre QG et vous allez sortir. Voilà. Et quand vous êtes sorti, vous allez devoir vous rendre à votre garage. Donc là, voilà, j'arrive à mon garage. Donc quand vous êtes arrivé à côté de votre garage, vous allez devoir donc rentrer dedans. Donc on rentre dans votre garage et vous allez devoir sélectionner un véhicule avec lequel vous allez devoir le remplacer. Donc je tiens à vous le dire juste avant, le premier remplacement va pas fonctionner. Donc avec la première véhicule que vous allez faire, ça va pas fonctionner. Donc pour pouvoir le réussir, vous allez devoir faire donc rester appuyé sur triangle jusqu'à la moitié donc du point de la réapparition et vous allez accélérer en même temps. Donc là, à la moitié, j'accélère. Quand on a l'écran noir, on lâche tout. Là, logiquement, on va spawn dehors avec le BMX. Donc, on descend du BMX. Voilà. Là, vous pouvez voir que ça n'a pas fonctionné. Regardez. Donc, on re-rentre dans notre garage. Comme je vous l'ai dit, la première fois, ça fonctionne. Ça fonctionne toujours pas la première fois. Donc, là, on recommence. On reste appuyé sur triangle jusqu'à la moitié. Et on accélère en même temps. Quand on a l'écran noir, on relâche tout. Là, on est avec notre BMX. Donc, on descend. Et on re-rentre dans notre garage. Donc, on re-rentre dans notre garage, voilà. Et logiquement, quand vous rentrez dans votre garage, votre véhicule aura disparu. Donc, c'est que ça a bien fonctionné. Comme je vous l'ai dit la première fois, ça va jamais en fait. Donc là, on va recommencer avec un deuxième véhicule. On attend la moitié, on accélère. Quand on a l'écran noir, on lâche tout. On attend dehors avec notre BMX, voilà. On descend. On re-rentre dans notre garage. Et dans le garage, l'autre véhicule aura encore disparu. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire en ligne, trouver une nouvelle session. Donc là voilà, je vais respawn à mon garage. Donc j'ai mis le point d'apparition à mon garage. Comme ça va directement. Je respawn directement dans mon garage et c'est beaucoup plus facile. Donc là,
on attend deux respawn et vous pouvez voir que j'ai bien les BMX à l'emplacement des voitures. Donc voilà, donc c'est la fin de ce glitch. Donc si ce glitch t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde.